nous est présenté par Catherine de l'Artigue, qui nous vient de la région paloise, de Sauffert très exactement. Ischia, Biboulet, et Catherine de l'Artigue, c'est Laura Géo, ça bien sûr. Qui a comme étalon frisson du bégo des Shrek, comme vous voyez sur la publicité dans la page d'à côté du catalogue. Dit le Shrek, donc le talon, voilà. La mère Ostia de Colombe, par Policymaker, est une sœur de Holzarp de Colombe. Alors, on connaît bien Holzarp de Colombe, on a fait remporter une saillie gratuite de Holzarp de Colombe, étalon anglo. C'est la famille de Fiasco du Péco, c'est Balkan du Péco. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, le vainqueur du prix du président de la République qui n'était pas indiqué dans le pédigré. Et aussi la famille de Pape en France. Tout ça, ça descend de Fortuna Brute. Quelle souche extraordinaire. Et dans cette branche, nous y trouvons donc Holzarp de Colombe, un fils de Faucon Noir, titulaire de 9 succès, 127 000 euros de gains et talons. Ça monte un peu maintenant, il est vieux, Holzarp de Colombe. Il y avait aussi Ostige de Colombe, dont on a beaucoup moins parlé cette semaine, mais qui était bonne, hein, qui a remporté le prix Charles de Ginester pour sur les jeunes compétitions en stiple. C'est le premier produit de Ostia de Cologne, qui s'appelle Ischia Biboulet. C'est charmant. Elle est née le 6 avril, et elle a 15,68% de sang anglo dans ses veines. Donc le 88 Ischia Biboulet qui vient de finir son tour, son grand tour au trot. Alors ça c'est sympa parce que les chevaux ont vraiment la place pour s'exprimer ici. Hein. Et qui revient tranquillement, un bon tempérament que cette Ischia Biboulet qui revient tranquillement pour se poser devant les juges. Le 88 présenté par Catherine de l'Artigue. Ischia Biboulet, fille de Shrek, donc c'est la première génération.